Ce soir, on est au Grand Action, qui est un cinéma dans Paris. Et aujourd'hui, on a projeté tous les films de fin d'études des étudiants de 3e année à l'ESSEC Paris, ainsi que quelques films réalisés en studio en février. On encourage la créativité dans des cadres bien définis, puisqu'on pense que ça les aide et c'est important de leur donner un cadre. Et cette année, le cadre, c'était le décès de la reine d'Angleterre, à la manière de Ken Loach, grand cinéaste social britannique, maintes fois récompensé à Cannes. Ça a en tout cas libéré pas mal de créativité dans l'école et dans les sujets qui ont été développés par les étudiants. Pour le scénario d'Abontrain, d'instinct, moi j'étais assez attirée par celui-ci. C'était celui qui m'intéressait le plus, de par son aspect social et aussi la comédie que le scénariste Adrien Grécin a réussi à ajouter dedans. Les défis qu'on a rencontrés pour la production de ce film, c'était d'abord le nombre d'acteurs, parce que c'est un film choral. On avait beaucoup d'acteurs, on a eu du mal à les trouver. On a aussi eu comme difficulté le nombre de lieux de tournage. Il a fallu qu'on devienne amis avec la mairie et ils nous ont bien aidés à trouver les lieux dont on avait besoin. Et un dernier problème qu'on a eu, c'est le fameux train d'Abontrain, parce qu'on a tourné un endroit où il y avait la grève. Et donc il n'y avait pas de train et on a dû incruster un train et c'était pas chose aisée. L'ESSEC m'a aidé de plusieurs manières pour ce gros projet de fin d'études. Déjà pour la logistique, parce que du coup, comme je l'ai expliqué, on est quand même parti en Bretagne dans le Finistère, et donc c'est pas évident de faire tout ce déplacement. Et puis aussi pour tout l'accompagnement sur la mise en scène, sur les choix qu'on fait, on a vraiment des intervenants qui nous suivent de près et qui nous questionnent et qui nous font questionner tous nos choix pour essayer d'avoir le meilleur film possible. L'ESSEC, elle m'a aussi énormément apporté dans le travail d'équipe, et notamment comment transmettre ses intentions de réalisation à son équipe pour tous ensemble faire le meilleur film possible.